puis là, tu mets une marque pour savoir que c'est ce côté-là. Ouais, pas de problème. Comme ça. Puis je t'apporte le cylindre au bureau. On a réussi à avoir un rendez-vous demain matin pour faire réparer le vérin. En fond, c'est le cylindre hydraulique ici là, qu'on avait de la misère avec, que le safran bougeait tout seul. Pour sauver des sous, on va le démonter pour eux. On va le ramener. Comme ça, ben, on n'est pas chargé tout le temps que ça prend pour le démonter. On a réussi à. Parce que c'était saisi, ça fait tellement longtemps. Puisque c'est dans l'huile, ça l'aide. Fait que juste à taper dessus un peu avec le marteau, j'ai réussi à défaire les deux tuyaux. Ils sont prêts à dévisser, on les a pas enlevés. Là, ce qu'on va faire, c'est sûr qu'il va y avoir de l'huile. On a mis un petit contenant en dessous pour ramasser l'huile qui va tomber du cylindre. Puis Véronique, elle va lever l'autre tuyau dans les airs pour avoir l'effet de la gravité, pour regarder l'huile en bas. Puis on va mettre des pinoches. Là, on a un côté d'enlevé, on a mis une pinoche dedans. Il n'y a pas beaucoup d'huile qui est sortie. Ça, j'aurais pensé qu'il y avait eu plus de pression. On va faire l'autre côté. Voilà! La bête! Yes! Tu le vois ce que ça fuyait là? En bas, avance. Mm. On a l'impression parce qu'à chaque fois qu'il fait un cycle, il y a plein d'huile et un suintage qui reste. Donc quand il revient, ben là, il y a une goutte des gouttes. Vous n'avez pas d'huile sur les autres emplacements? Non. Ça, c'est pour la direction, hein, c'est ça? Oui. C'est quoi ton bateau? C'est un custom. Ouais. Unique. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aller demain matin là-bas. Oui. À la première heure, je vais les amener. Voilà. Eux, ils vont me dire tac, 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 tac. Il faut faire. Voilà. Parfait. Et puis moi, je te rappelle. Ok, génial. Hein, okay. On fait au plus vite, de toute façon. Hein. Demain, je te rappelle et puis voilà. Donc, une bonne journée, une bonne matinée, sauf qu'on n'a plus d'ordinateur. Nos deux laptops sont au centre de réparation. Deux. Il va regarder ça. Une bonne chose de fait parce que là, on travaillait avec l'ordinateur HP Spec. Lui, il va très bien. Sauf que c'est son écran qui ne fonctionne plus du tout. Donc, on connectait avec un HDMI sur la télévision. Donc, lui, on sait que l'ordinateur fonctionne. C'est juste à changer l'écran. Lui, il va regarder ça. Le deuxième, c'est que la souris a glitch. Elle fait n'importe quoi quand ça étante. Encore là, c'est un problème avec l'écran tactile, probablement. On va nous réparer ça. Les affaires vont bien, on a trouvé une boutique I Love My Mobile pour réparer le téléphone parce qu'il ne recharge plus encore une fois, le port est défectueux, c'est tellement l'enfer avec le sel là. C'est pour ça que le prochain téléphone, on va avoir une plaque de charge, il n'y a plus besoin de fil, il faut juste déposer le téléphone dessus puis ça recharge. Mais là pour l'instant, on va le changer pour le garder en backup si jamais le nouveau brise, on va en avoir deux. Véronique est en train de régler ça. Ok, ça c'est vraiment cool. Le I Love My Mobile, ils ont tout. Il y a le iPhone 12 en stock, il y a la plaque de charge. Le téléphone ici, il est 1 300 €. Ça va nous revenir à peu près à 1 800 canadiens. Fait qu'on se ruine aujourd'hui. Mais on a besoin du téléphone, c'est notre petit travail premier là. Puis il va réparer notre autre téléphone aussi. C'est une bonne journée. On est vraiment excités parce que on n'a pas été ruinés longtemps. Non, mais ça. Pour l'achat du iPhone 12. Mon cousin qui a les gestions familiales, Maurice Inc., nous a commandité pour notre iPhone. Yeah! Hey, c'est une grosse dépense, ça nous aide tellement. Oui. Kevin exerce dans le financement et l'investissement en immobilier. Puis il est aussi présentement élu à la ville de Brownsburg-Chatham. Il adore s'impliquer dans la communauté. C'est vraiment drôle parce que Kevin a aussi des jumeaux. Puis moi, je suis jumeau avec ma sœur Patricia. Je sais pas si les gens le savent. Fait que je trouvais ça juste cute là, qu'il y ait des jumeaux lui avec. Je sais c'est quoi. Un garçon, une fille. Pareil comme vous. Donc. Ouais, c'est cool. Les gestions familiales Maurice Inc. Trouvaient important de nous commanditer un téléphone cellulaire parce que c'est avec ça qu'on peut garder communication. Puis communiquer avec la famille, c'est super important pour nous. Donc, merci énormément, Kevin, merci pour ton commandite. C'est vraiment un outil majeur pour Atypique. Oui. Avec notre cellulaire, on communique avec notre famille. Ouais. On a accès à Internet. Ouais. On fait tout avec le téléphone. On publie les épisodes sur YouTube. Ouais. On a accès à la météo. C'était hors de prix pour nous. Là. Puis des gens qui se questionneront sûrement à dire mais pourquoi ils n'ont pas commandé d'Amazon? Parce qu'Amazon livrait pas où on était. Mm. Puis ça nous en prenait. Long, ça nous en prenait un maintenant. Fait que oui, on a payé cher en euros, mais on n'avait pas le choix. Là. Ouais. L'autre, il fonctionnait plus. C'est fini, là. Il est en train de mourir. Puis on avait l'épisode de livrer dimanche, en tout cas. On a été chercher notre vérin ce matin. Ils ont changé les trois joints à l'intérieur. On vient de réinstaller ça, moi et Véronique. Travail d'équipe d'enfer. Ça fonctionne
Ouais. Donc on a enlevé la pine, on a poussé complètement la tige dedans à l'intérieur, puis là on a remis la pine, on a rebarré ça, puis on a tout fait un tour complet du safran. Puis on a pu évacuer l'air comme il faut, puis là ça a l'air à fonctionner parfaitement. J'ai bien content. On n'a pas été aussi chanceux pour notre ordinateur, on n'a pas réussi à le faire réparer. On va devoir remplacer l'écran au complet, mais pas facile de faire acheminer ça ici en Martinique, comme c'est un produit américain. La dernière tâche de la journée est presque terminée. Atypique va être tout propre avant l'ouverture du camp de jour. On a 4 enfants à bord. Hello! 5 avec Patrice. On s'échange les enfants comme ça avec les parents voileux pour donner une pause aux parents parce que ça arrive pas souvent. Fait que l'autre fois, ils ont pris Amy à bord, elle est allée faire dodo là. Patrice et moi, on a eu une soirée juste les deux. Ça faisait depuis presque un an que c'était pas arrivé. Fait que là, ce soir, c'est nous qui avons les enfants. Puis on va se faire un petit souper pâte, Monopoly, film et popcorn. Je m'appelle Arthur. Sir. Augustin. Violette. Et elle, on la connaît. Ouais. On a aussi Windy. Windy, la chienne salée. C'est ça. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Oh my God. Tout est déjà mort. C'est nul. Tu as bien joué, par exemple. Juste, t'es mort en champion, Au moins, je peux voir Mario Kart. Ouais. On a même droit à des feux d'artifice aujourd'hui parce que c'est la fête nationale de la Martinique et de la France aussi, j'imagine. Donc, ça pète en ce moment. Quand les feux d'artifice ont commencé, je pense que je suis en train de faire de quoi avec mon argent parce que je suis sortie avec mon argent. Donc. Regardez les feux d'artifice avec ton argent. Ouais, dans la Mac. Belle journée, ça? Ouais, belle journée. Aujourd'hui, on marche jusqu'à la plage des Salines. Supposément que c'est la plus belle plage de la Martinique. Du beau sable blanc. C'est 4,5 km par exemple pour se rendre. Il y a une bonne marche, mais c'est à l'ombre, fait que ça va bien. On est arrivé aux Salines, c'est magnifique, il y a beaucoup de monde parce que c'est la journée nationale de la fête. Puis là, on s'est trouvé un petit resto, on a faim, on a fait une belle randonnée, puis il y a quasiment plus de batterie, donc on va changer de batterie.
Aujourd'hui, la mission, c'est lavage, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus plaisant. Guylaine, qui fait un petit bouquet ici, nous a dit de venir ici pour faire lavage. Il y a une piscine et tout. Pendant que tu fais ton lavage, tu peux te baigner. Sur la machine à la sélectionnez votre moyen de paiement. Déposez votre carte bancaire devant le terminal distributionnel. Donc la façon que ça fonctionne, on doit se prendre une consommation, puis on a accès à la piscine, ils nous mettent un bracelet. Donc j'ai payé 7 euros pour mon planteur. C'est un nouveau drink que j'ai essayé, planteur. Je pense que c'est typique d'ici, mais il faudrait que je vérifie, je suis pas certaine. C'est pas bon. C'est quand même fort, pardon. Vraiment une belle piscine. Puis on repart avec du linge propre. Que mission accomplie. On a été invités à faire un tour de pirogue polynésienne aujourd'hui. C'est vraiment cool, par Hervé, puis notre amie Guylaine qui a fait le contact entre les deux. Puis, il offre bénévolement de son temps, puis c'est lui-même qui fabrique les pirogues. C'est ça qui est vraiment cool. Puis là, je vais vous montrer son atelier où il les fabrique. C'est plein de couleurs. Celle-là est 6 places. Il est vraiment bon. Ça, dans le fond, c'est ses moules. Il vire à l'envers. Puis il met des couches de fibre de verre. Une fois que tu décolles ça, bien là, ça te fait ta coque. T'as différents moules. En Martinique, au mouillage de Sainte-Anne. C'est juste devant la plage où tous les bateaux sont. Sa business s'appelle Sainte-Anne va à Martinique. Je vais vous mettre le lien. Si vous venez ici, vous pouvez venir faire un tour. C'est vraiment cool. Ici, il y a des amandes. C'est un amandier. Des amandes partout. Ils sont dans une coquille vraiment difficile. Puis il y a une amande dans chaque. Donc on va les ramener au bateau pour les ouvrir. J'ai vraiment hâte de voir. Les amandes qu'on a ramassées sur la plage, il y en a plein sur les plages, c'est vraiment cool de pouvoir juste ramasser quelque chose qui se mange, comme des mangues, des avocats, des amandes, tout ça ici, ça pousse dans les arbres, puis tu peux te promener dans la rue puis juste les ramasser si tu y as accès, s'ils sont pas trop hauts. C'est vraiment spécial, à part des pommes au Québec, on connaît pas ça, nous, là. Fait que c'est vraiment spécial, surtout que c'est gratuit, t'sais, quand tu vas aux pommes au Québec, tu dois payer pour l'entrée et tout ça. Mais ici, c'est juste dans les rues, sur les plages communes,
Tu peux juste les cueillir, puis c'est parfait. En train d'ouvrir les amandes que Véronique elle a cueillies. Il y a vraiment une amande dedans. On peut voir, là, il y a un petit trou. Puis on y a goûté, puis c'est comme une amande. Sauf que c'est beaucoup de travail pour la grosseur de l'amande. As-tu goûté? Mm-hmm. C'est comme un peu les noix de Grenoble. Pas aujourd'hui qu'on va se faire un bol de gruau aux amandes, parce que je passerai l'après-midi là-dessus. Mais juste d'avoir découvert ça puis de l'essayer, c'est cool. Le travail que ça m'a pris juste pour m'ouvrir une justifie le prix des noix au magasin. Tu sais, quand vous dites « Hey, c'est bien cher des noix », ben c'est parce que c'est difficile à ouvrir. Aimé s'en va jouer chez ses amis, Voilier le Torieux. Bonne épicerie! Merci! Bon montage! Merci! Vous êtes plusieurs à nous demander quel programme de montage on utilise et comment on fonctionne. Alors nous, on aime bien Movavi Vidéo Suite. On a aussi essayé Premiere Pro et DaVinci Resolve, mais on les trouvait trop complexes pour nous qui sommes des débutants. Vous l'aurez deviné, on travaille en équipe pour tout sur Atypique. En gros, Patrice commence le montage en insérant tous les vidéos de la semaine sur la ligne de montage. Ensuite, il fait les premières coupures et enlève ce qui n'est pas pertinent. Amy fait sa partie. Elle monte l'intro de l'épisode et le moment Windy. Puis je finalise en organisant l'histoire, ajoutant la musique, les extras à la fin et je publie sur nos différentes plateformes. Regardez ça, la belle épicerie que Patrice nous a ramenée. On est vraiment content parce qu'on a trouvé une épicerie Leader Price en Martinique. C'est vraiment beaucoup moins cher que tout ça. A coûté 100 euros. Ça te dit bien? Ça, c'est beau! Oui. Monte-haut! On était invités sur le bateau de nos amis le Torieux. C'est un Dufour 410, un super beau voilier. On fait une soirée poutine, donc on essaye bien de recréer une poutine avec ce qu'on trouve ici. C'est pas évident, on n'a pas la sauce, on n'a pas le vrai fromage, mais bon, on se contente de ce qu'on peut trouver ici. C'est un petit peu difficile, mais on avait le goût d'une bonne poutine, donc c'est ce qu'on fait ce soir. Regardez ça, il y a une chambre double ici, puis il y a une deuxième chambre double de l'autre côté. C'est fou! Atypique, il n'y a pas cette largeur-là en arrière. Les bateaux plus récents ont ça, ils ont gardé la pleine largeur tout le long du bateau, tandis que nous, il finit plus comme en point. C'est vraiment fou d'entrer dans un autre bateau puis voir la largeur. On capote à chaque fois. Cheers! Yeah! Cheers! Là, les boys sont allés chercher des frites. Ils sont en mission frites. Je suis pas certaine qu'ils vont trouver. Ils sont partis voir les restaurants. Donc, on se croise les doigts, puis ils reviennent avec des frites. Sinon, notre poutine, ça fonctionne pas, là. Ouais! Vous avez trouvé des patates! Les patates! Des frites! Ah, ça, c'est chaud! C'est chaud! Ouais! On a réussi! Ouais! Oh, la sauce! Moi, j'ai vu un policier. Fait que je me suis dit, c'est un local. Je disais, hey, on peut-tu trouver des frites à quelque part? Ils nous ont mis dans la bonne direction. Il a arrêté en auto pour nous dire d'où aller. D'où aller, mais c'était pas la fille d'apporter. C'était vraiment. C'était pas d'où aller, c'était où aller. Où aller, voilà. On a vu une Lorraine en chemin. Ah! Non, mais tu sais, elle a dit ça va prendre une demi-heure. Parce qu'il fallait qu'elle parte les faux, puis tout, tout est fermé, là. Ah, ouais, c'est des frites extra. Mais ben, oui, on a réussi. Combien vous avez payé? 51 euros. Ben, c'est pas si pire! Mais ben, check-les les frites! Check les frites. On regarde les frites! La qualité de frites faites! C'est quasiment comme des frites du Henri! Là, on a réussi à trouver du mozzarella. Qu'on fait moitié emmental, moitié mozzarella. En tranche, mais ça va être tellement bon! Voilà. On a réussi! Ouais! Ma chère défi, la poutine en Martinique. Yes! Avec des frites locales. Cheers! Cheers! Yeah! Poutine toast. Merci à nos Patreons qui nous supportent depuis le début de cette aventure et merci à notre nouveau Patreon cette semaine qui est Perry Nadon. Merci! Juste, c'est ça, le pop tom juste pour le fun. Donc là, on est en direction du... La réparation de téléphone? Pas parce que on a mis le... Sling. Le
cylindre. Il fallait mettre le cylindre au bout. Là, on a enlevé la pine, on l'a débarqué, on l'a poussé, on a dévissé le... Le fromage, pain... Wendy! Un sur deux, Pat! Tu te calmes. Tu te calmes, mademoiselle. La semaine prochaine, ce qu'on voulait vous annoncer, qui est maintenant pas mal officiel, c'est qu'on quitte la Martinique. Et oui, déjà un nouveau chapitre qui débute et vous ne devinerez pas la raison de notre départ précipité. À la prochaine! C'est l'heure de la douche pour Wendy, à la pluie! Ouais, c'est aujourd'hui le jour de la douche. C'est une journée super importante parce que je rencontre un de mes fans, Augustin. C'était son rêve de rencontrer la chienne salée. Allez maman, fais ma bédaine aussi. Je veux être belle pour ce soir. Vous savez que je n'aime pas être mouillée, mais il faut ce qu'il faut si je veux sentir bonne. Allez maman, c'est l'heure de la serviette maintenant pour avoir un beau poil luisant. Tu crois qu'Augustin va me trouver aussi gentille dans la vraie vie? Bon, qu'est-ce que je mets, maman? J'y vais naturel, à poil? Ou je pourrais mettre mon petit uniforme de dinosaure? Non, je vais y aller, commando. Un énorme merci également à nos commanditaires, les gestions familiales Maurice Inc. pour l'iPhone 12 qui nous permettra de rester en communication avec notre famille, Patricia des distributions D. Hébert pour notre dinghy Caribe, et Jessie Armand de Jet Set Design qui a charpillé la coque et le génois d'Atypique.